Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle question. En attendant, vous pouvez aller télécharger le guide Investisseur locatif qui se trouve juste au-dessus dans la publication. Donc la question du jour, c'est pourquoi avoir tous les documents avant la mise en vente d'un bien? Donc c'est très simple, dans un premier temps, il faut avoir tous les documents. Donc vous aurez la liste juste ici. Donc pourquoi avoir tous les documents? Déjà pour informer les futurs acquéreurs avant qu'ils ne signent le compromis. Dans un deuxième temps, pour éviter les mauvaises surprises, parce que cela pourrait engendrer qu'ils ne signent pas. Donc le troisième point, cela permet d'être plus réactif, de signer plus rapidement et du coup d'engager votre futur acquéreur. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. Prenez soin de vous.